Dans toute histoire, il y a ce qui est visible et ce qui est caché. C'est d'autant plus vrai quand il s'agit d'histoires de guerre. Les Américains, les Canadiens et les Britanniques débarqueront sur la côte sud de la Sicile. N'importe quel imbécile se doutera que ce sera la Sicile. Hitler devra croire que nous tenterons d'envahir la Grèce. Nous allons devoir lui montrer des preuves. De fausses preuves, bien sûr. Que diriez-vous de commencer par le plus simple? En allant nous trouver un cadavre. Beau comme un astre. Nom d'un chien! Alors puis-je suggérer de trouver un visage vivant? Voici mon ami, le sergent Roger Dearborn. Dean m'a dit que vous vouliez vous entretenir avec moi. Nous commencerons par... lui donner un vrai nom, pour que les Allemands qui vérifieront les listes aient du mal à l'identifier. Le Major William Marty. Il nous faut une histoire d'amour. Vous auriez besoin de mon aide? C'est une opération de grande ampleur. L'opération Cheval de Troie? Nous l'avons renommée. Ce sera moins explicite. Opération Chair à pâté. Mettons un sigle dans la pliure. S'il n'est plus là quand nous récupérerons la lettre, cela signifiera qu'elle a été lue. Nous devrons faire circuler les faux documents rapidement avec le concours précieux de deux agents allemands. Que se passera-t-il si l'encre s'efface suite à un séjour prolongé dans l'océan? Il faudra une encre résistante à l'eau. Il faut avoir prévu de se noyer pour écrire avec ce type d'encre. Exact. Mobilisez vos ressources. Lancez l'opération au plus vite. Pour le Major Martin. Pour le succès de notre mission. Pour ceux qui sont chers à nos cœurs. Les dés sont jetés. Il est impossible de reculer.